Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment overclocker son processeur. C'est parti. Tout d'abord, avant de passer au concret, c'est-à-dire comment overclocker votre processeur, on va déjà voir ce qu'est l'overclocking, les avantages et les inconvénients. Et surtout, le matériel nécessaire qu'il va falloir employer pour faire cet overclocking. Alors, qu'est-ce que l'overclocking? C'est tout simplement un principe où vous allez augmenter les performances, ou plus précisément la fréquence de votre processeur. Ou si vous préférez, c'est le surcadencement de l'horloge interne de votre processeur que vous allez modifier. Oui, les performances, c'est un avantage de l'overclocking. Vous allez gagner des FPS en jeu, ça va augmenter la rapidité au niveau du traitement de votre PC, ça va vraiment être un grand avantage. Il va y avoir aussi, bien sûr, des inconvénients et des risques à faire de l'overclocking. Alors, premièrement, c'est au niveau de la température de votre processeur. Et oui, bien sûr, ça va l'augmenter. Il y aura une grande augmentation de température et aussi au niveau de la consommation électrique que vous aurez. Parce que bien sûr, qui dit plus de température dit plus de consommation électrique. Alors les inconvénients, c'est qu'il y a un risque de cramer votre processeur et votre carte mère. Alors le risque n'est jamais nul. Et faites attention à ça. Ne partez pas serein en faisant de l'overclocking. Même s'il y a des sécurités maintenant, on peut perdre entre 300 et 400 euros facilement. Pour faire de l'overclocking, il vous faut le matériel nécessaire. Et oui, on ne peut pas faire l'overclocking avec tous les processeurs. Chez Intel, vous n'avez que la version K et X qui sont overclockables. De toute façon, c'est simple. Tous les processeurs de chez Intel qui se termineront par K ou X, vous pourrez les overclocker. Par exemple, le i7-10700K, vous pourrez l'overclocker sans problème. Par contre, chez AMD, ils sont plus intelligents parce que tous leurs processeurs sont overclockables. À ce niveau, vous serez plutôt tranquille. Mais faites attention à ça et ne partez pas en terrain conquis, je dirais. Vous savez, il y a toujours un risque au niveau de l'overclocking. Alors, au niveau de la carte mère, il faut dire que le chipset permet l'overclocking. Et au niveau de chez AMD, comme tous les processeurs, bien sûr, sont overclockables, eh bien, toutes les cartes mères le permettent. À part les chipsets de type A, faites vraiment attention à ça. Mais chez AMD, le champ est beaucoup plus ouvert que chez Intel. Alors au niveau de chez Intel, ça se complique un peu au niveau des cartes mères. Il n'y aura que les séries Z et séries X qui pourront supporter l'overclocking. Alors maintenant, nous allons passer à l'alimentation. N'allez pas acheter une alimentation à 30 euros sur un site bizarre. Et il y a vraiment de très gros risques à partir du moment où vous faites de l'overclocking. Il faut savoir que votre PC va vous demander plus d'énergie. Alors une bonne alimentation, c'est le principal, c'est la base quoi. Oui, pour finir sur les alimentations, surtout une bonne certification comme Plus Gold serait le meilleur. À la fin, faites attention à votre alimentation surtout. Alors maintenant, on passe au plus important, le plus gros inconvénient de l'overclocking, c'est au niveau de la chauffe. L'augmentation de la température. Vous aurez un investissement à faire au niveau de tout ce qui est refroidissement. Pour finir sur les refroidissements, ne partez pas sur un ventirad de chez Intel ou chez AMD qui est vendu avec votre processeur parce que là vous allez tout cramer. Partez plutôt sur un ventirad de chez Noctua, un bon ventirad de chez Noctua. Ou bien sûr, vous prenez un water cooling de chez MSI, de chez Asus, de votre choix, bien sûr, il n'y aura aucun souci, mais qui soit assez performant. Oui, alors maintenant, nous allons passer sur l'écran du PC.
Là, pour faire cette manipulation, je vais être obligé d'éteindre l'ordinateur pour vous montrer comment on fait. Alors, il faudra appuyer, bien sûr, d'abord, la première étape, c'est d'éteindre votre ordinateur, d'appuyer sur la touche F11 de votre ordinateur ou SUP pour tomber sur le BIOS. Une fois que vous serez sur le BIOS, il n'y aura aucun souci, je vous montrerai étape par étape comment overclocker votre processeur sans aucun souci. Allez, à tout de suite. Alors nous allons commencer à changer le mode. Déjà chercher l'overclocking qui se trouve ici sur MSI, bien sûr. Chez MSI, c'est une carte MSI, comme vous pouvez voir ici. C'est une carte MSI. Vous allez dans overclocking. Une fois que vous avez overclocking, vous cherchez ici alors le Explore Mode. Bon, moi, il est en expert ou en normal. Moi, je le mets en expert. Ensuite, vous allez sur CPU Ratio Appli Mode. Ici, vous le mettez. Alors, il sera sur cœur par cœur au départ. Vous le mettez sur All Core, c'est-à-dire tous les cœurs. Ici, ensuite, vous allez sur Modifier le coefficient du processeur. Moi, je l'ai mis en automatique. C'est pour qu'il puisse faire son overclocking seul. Il n'y aura aucun souci, le fait tout seul. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos changements, vous pouvez sortir, aller dans Settings. Une fois que tous vos changements sont effectués au niveau du voltage qui se trouve ici, le voltage qui se trouve ici, moi il est en automatique aussi, moi je le laisse en automatique. Une fois que vous auriez fini tous vos réglages pour overclocker votre processeur, vous allez dans le menu ici. Ensuite, vous allez dans Sauvegarder et quitter. Ici, enregistrer les modifications et redémarrer. Une fois que vous avez cliqué dessus, votre ordinateur va vous demander si vous voulez vraiment enregistrer et quitter le BIOS. Vous dites oui. Il va redémarrer et je vous reprends de suite après sur la caméra. Par contre, si jamais votre démarrage, bien sûr, de votre PC fait que des reboots en boucle, alors cela voudrait dire que vous aurez raté votre overclocking. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est retirer la pile qui se trouve sur la carte mère et vous la remettez en place, ce qui va faire un clear CMOS pour la remettre en version usine. Dans tous les cas, une fois que vous aurez fini votre overclocking et fait, bien sûr, et appliqué, il faudra bien sûr aller utiliser un logiciel de stress test. C'est dur à dire. Stress test. C'est en fait un logiciel qui va utiliser votre processeur à 100% et donc en fait vous le repoussez dans ses derniers retranchements pour qu'il donne tout ce qu'il a. Et donc ça va vous permettre de voir si votre PC crache quand vous faites un stress test. Alors, s'il crache pendant le stress test, alors cela voudra dire, bien sûr, de revoir votre overclocking. Et pour le stress test, je vous mettrai le lien dans la description. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. À vous abonner à la chaîne et sans oublier la cloche pour être notifié quand je vais sortir de nouvelles vidéos. Et de regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.